On est bien là, on est bien. Le château Osaka. Derrière ces imprenables murailles. Qui n'a cependant pas résisté au bombardement de la Seconde Guerre mondiale. Mais a été bien évidemment reconstruit. Quand même de très très grandes douves. Hein, ça. C'est une petite mer intérieure presque. Après, je tentais de dire. Hein. Est-ce que c'est d'origine ou pas, mais. Ah, les murailles. Il n'y a pas de pont-levis là. Oui, il n'y a pas de pont-levis. Un pont quoi. Pff, de toute façon, ils n'avaient pas envie de. Se faire chier avec une porte en main. Voilà. Ouais, mais à l'arrière, c'est con, tu vois. Les mecs, ils ont mis 4 ans. À creuser des douves et au final. Pour mettre un pont, ouais. Bon. Un pont. C'est quoi l'intérêt? C'est la tactique militaire. Alors, mea culpa, ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale qui leur a détruit, mais tout simplement un éclair qui l'a foudroyé en 1665. Et il aura fallu attendre les années 30 pour qu'il soit reconstruit. Donc, il a donc échappé au bombardement. C'est beau. Merci. Un petit peu de béton. Oui, bien sûr, il faut que ça soit consolidé, mais c'est quand même des très grosses pierres. C'est une pierre unique. L'ancien musée de la ville d'Osaka. C'est anciennement le quartier général de la 4e division de l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant laissé complètement à l'abandon, c'est magnifique. Bon, bien sûr, il vient lire ça. Oui, non, bien évidemment, je connaissais déjà ça avant de venir, bien évidemment, c'est très connu. Ou pas. Et donc, juste à côté, le château d'Osaka. Voilà, il a l'air flambant neuf, tout simplement parce qu'il est flambant neuf. Mais voilà, sympathique. Plus grand que celui d'Hiroshima quand même. Qu'est-ce à le noter. La version sable. Comment était le château à l'époque? On a perdu quelques bâtiments dans l'histoire. Là, on voit bien tous les renforts là. C'est pour ça qu'ils adorent le Mont Saint-Michel en fait, les Japonais. Du château. Juste Osaka. Les différentes rivières. Là. Oh.
rivière par là. La ville sur l'eau. C'est un peu beaucoup de rivières. Hein. Ah, c'est bien pendant les cerisiers en fait. Ouais. La grande roue du F5, quartier d'Umeda. Ça, c'était censé protéger contre les incendies. Un symbole sur quelque chose. La petite forêt qui entoure. Alors il y a le mont qu'on ne voit pas, hélas, il y a un peu. On le distingue légèrement. C'est un peu brumeux aujourd'hui. Sakajo. Voici le Umeda Sky Building. La particularité d'avoir un trou quand même. Comme ça, s'il pleut, bah, il faut un parapluie. Tout le monde est là pour le prendre en photo. C'est un des emblèmes de Osaka. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu peux arriver par le côté, mais il faudra taper l'escalade. On peut monter à pied. Osaka,
quelle belle musique. Quelques trains, quelques métros. Hein. Pas grand monde dans ces bureaux, hein, c'est la crise. Ah. Une personne se déplace. J'apprécie aussi la... Mon Dieu. Mon Dieu. では12月25日火曜日までハートフルクリスマスを開催いたしております。ご来園のお客様には星のオーナメントにお願い事を書いて白いクリスマスツリーに吊るしていただくことができます。お預かりしたオーナメントは願いが星となりステーマで届きますようにとチャペルにて神父様が星の奉献式を行います。皆様の午後7時にご来場のお客様の中から抽選で一組の方にプレゼンターとして明かりを灯していただきクリスマスを持ち寄りながら皆様とカウントダウンを行います。なお12月21日金曜日から25日火曜日は特別営業といたしまして、ね、営業時間を夜12時まで延長します。西洋に光輝く空中庭園展望台で大切な人との思い出を刻んでみてはいかがでしょうか。
enfin, nous sommes à 173 mètres d'altitude. C'était l'information du jour. C'est beau. Temple du 15e siècle. C'est beau l'électricité, oui, on reconnaît bien les lignes fuyantes. De personnes.